Est-il bonnet, ce grand fichu garçon, qui déambule comme ça chaque matin sur le petit trottoir de sa maison, traînant toujours un air de grand chagrin. Son air bébête, assurément, le fait poète plein de tourments. Il est timide et rougissant, c'est peut-être pour ça qu'il est très séduisant. Mais nous allons voir comment les petits dessous des gens ne sont pas toujours marrants. Un petit menton fleuri de boutons roses et des grands yeux qui n'en disaient pas long. Dans son regard était triste et morose. Est-il bonnet, ce grand fichu garçon? Et dans l'ennui et tiède jeunesse vivait l'espoir d'un rêve fou, berçant le flot de sa paresse. Le grand bonnet rinçait le nez surtout. Et sa pauvre mère lui disait: vraiment, je suis lassée, tu ferais bien de travailler. Une mignonnette qui n'avait plus 16 ans, au coin de la rue guettait le garnement. Dans un nuage de parfums vainqueurs, le grand bonnet donna son petit cœur. La dame aimable, très charitable, le soulagea de ses ennuis. Au long des nuits et même des jours, le grand bonnet vécut le grand amour. Et sa pauvre mère lui disait: c'est un fichu métier, tu ferais mieux de travailler. Mais en amour, le temps est bien trop court, et les serments ne durent pas longtemps. Comme tout se perd, il fallut bien un jour prendre la porte et revenir chez maman. Notre poète, perdant la tête, pleura longtemps son beau roman, pleura si fort que sa maman crut tout d'abord que c'était une rage de dents. On l'entendait qui disait: assez, 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 aux muses c'est assez. Mais au printemps, les robes sont nouvelles. Notre bonnet, quelques poils au menton, a le sourire en regardant les belles et prend des airs de jeune premier, dit-on. Il rit très fort et dans la glace jette un coup d'œil pas très discret, puis fait la moue, la vie qui passe, pendant que les filles font semblant de l'admirer. Sa pauvre mère émerveillée, certes, mais fatiguée, voudrait le faire travailler. Mais un homme qui a vécu, répond-il tout ému, on ne lui en demande pas plus.